Bonsoir. Good evening, everyone. Bienvenue. Bienvenue tout le monde au vernissage de l'exposition Peter Doig, Nulle Terre étrangère. Hi, everyone. It's such a pleasure to have you all here with us for the opening night de Peter Doig, Nulle Terre étrangère, No Foreign Land. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir ici avec nous. Sometimes you know that a night is going to be magical. On le sait, on le sent qu'il va se passer quelque chose de spécial, qu'on vit un moment particulier, incroyable. Et je crois que ce soir ici, we are all very lucky to share in this beautiful moment together because there's something very exceptional that's going to happen here tonight. Alors, premièrement, tout d'abord, je voudrais saluer la présence de Monsieur le ministre Makakoto, ministre de la Culture et des Communications. Et aussi, je voudrais saluer le ministre Alexandre Cloutier, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à la francophonie canadienne et à la gouvernance souverainiste. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Nathalie Bandil, directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts, à venir vous parler. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, bonne soirée, good evening. Monsieur le ministre, cher Makakoto. Écoutez, je crois que c'est encore un grand moment pour le musée, et c'est vraiment un grand moment pour le musée, pour Montréal, pour le Québec, pour le Canada, pour l'Amérique. Pourquoi ? Parce que c'est la première grande exposition majeure d'un artiste qui est absolument incontournable sur la scène actuelle. En fait, il s'agit tout simplement d'un des plus grands peintres vivants. Voilà, c'est dit, la peinture n'est pas morte. Donc vous allez voir, donc la peinture au contraire a de brillants émules ici sur la scène montréalaise, sur la scène québécoise, mais aussi donc à l'international. Et avec Peter Doig, avec cette exposition-là, on a vraiment l'honneur, je vous dirais le bonheur aussi, de pouvoir accueillir un peintre absolument magique et qui tenait beaucoup à être présent à Montréal. Parce que Montréal, c'est la ville où il a passé une grande partie de sa jeunesse. C'est une ville aussi qui l'a inspiré. C'est une ville où il a étudié à Concordia. C'est aussi une ville où il s'est fait des amis. Et c'est aussi une ville où il a découvert des peintres qui l'ont nourri, comme David Milne, le groupe des Sept, encore Maurice. Et en fait, ce sont des artistes qui l'ont inspiré et où au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors c'est pour cette raison que pour lui, il était très très important d'avoir dans ce voyage vers les origines une étape au Musée des Beaux-Arts de Montréal. So it was really important for him not only to be in the Montreal Museum of Fine Arts, but really in the old pavilion here, because he remembered when he was young, donc he was there, and so he discovered art here. Of course, donc, it's not just from Montreal, it's about Edinburgh, where donc, the exhibition began, and I must say that we had a great co-production with our partners at the National Galleries of Scotland. So I want to thank very much the whole team and Simon Groom, the director, who is here today. And obviously, donc, you will see, you will discover donc, all kind of foreign land for Peter Doig, and especially in Trinidad, the island where donc, he lives, donc, not far from Venezuela. Vous allez voir comment ce peintre, en fait, réinvestit toute une histoire de la peinture, vraiment comment il construit l'image, donc, afin de créer donc, des œuvres monumentales, à la fois extrêmement séduisante de prime abord, mais en même temps d'une très très grande profondeur iconographique, toujours avec un rapport à l'image onirique, énigmatique, et qui en fait vous envahit, fait en sorte que vous plongez littéralement dans les œuvres. C'est un bonheur pur, c'est un peintre qui a un grand respect pour son métier de peintre, pour la peinture elle-même, et je dois dire que nous avons été absolument séduits donc, par le personnage, qui en plus est un fou des Canadiens, alors ça c'est plutôt pas mal, mais bon, ça je ne suis pas capable de vous en parler, hein. Et donc c'est ça, donc vraiment profiter de cet événement qui est tout à fait unique. C'est un peintre rare, qui peint très peu, et dont les présences publiques sont finalement donc très convoitées. Alors profitez de ce bonheur et surtout n'oubliez pas, we'll have a special season for contemporary art at the Montreal Museum of Fine Arts, not only with Peter Doig but also with Jules de Balincourt, who is also on display downstairs, et aussi avec un projet donc qui va unir les collections du Musée d'Art Contemporain, et dont on va fêter les 50 ans, et du Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc très bientôt, toujours donc, avec nos équipes. Ça, c'est une première, hein, ça ne s'est pas fait. Alors voilà, donc, je voulais juste remercier tout le monde, avant de laisser donc, la parole donc, à Monsieur le Ministre.
donc Monsieur Makakoto, dont je suis très très honorée que vous soyez là ce soir. C'est vraiment, c'est assez formidable, vraiment. Je suis très très contente parce que cela prouve aussi l'importance du projet, puis le fait que vous voulez soutenir donc les musées, on le sait. Vraiment, ça, c'est très important. Et puis Stéphane Aquin, vous connaissez Stéphane Aquin, donc notre incontournable conservateur pour l'art contemporain, qui est aussi le commissaire ici de l'exposition, et qui une fois de plus a fait un travail tout à fait remarquable. Alors merci beaucoup vraiment Stéphane, vraiment merci à toutes les équipes, vous avez tous travaillé formidablement. Il y a un catalogue, évidemment, je ne vous ai pas, que nous avons fait pour la version française. Profitez, c'est absolument jubilatoire. Hein. Vous allez vraiment vous immerger dans une peinture absolument magique. Alors, profitez-en et je laisse la parole à Monsieur le ministre Makakoto. Merci. Alors, Monsieur le ministre délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes, à la francophonie canadienne et à la gouvernance souverainiste, cher Alexandre, chers collègues, merci d'être là. Madame la directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal, chère Nathalie, merci de me recevoir ici. Cher Peter Doig, chers amis et distingués invités, cette exposition d'envergure internationale nous fait la preuve, une fois de plus, du savoir-faire du Musée des beaux-arts de Montréal. Une maîtrise faite d'une audace calculée, d'une capacité à saisir l'instant propice et d'une connaissance profonde de la scène mondiale des arts visuels. Rendu à ce point, on peut, certes, parler d'un art de la programmation. Bravo. Je veux donc féliciter l'équipe du musée pour ce coup de maître, un de plus, qui amène chez nous la première exposition de M. Peter Doig en Amérique du Nord et aussi sa seule escale sur ce continent. Cette exposition qui nous est offerte par un artiste adulé des critiques et de ses pairs est un événement majeur pour tous les amateurs d'art et, j'ajouterai, une fort belle occasion de réjouir le regard des publics moins familiers avec son travail. Car ses œuvres, saluées par les spécialistes, sont tout sauf élitistes. Nous sommes en effet devant un créateur qui convie tout un chacun à partager le plaisir que lui prend à peindre. Il en résulte un réjouissant dosage d'inspiration réaliste et, comme le disait Madame Bondil, d'onirisme presque surréel, de gestuelle énergique et de recherche inlassable de la part d'un coloriste fasciné par les infinies possibilités de la nature. Et l'on comprend, avec émotion, que ces étranges et merveilleux canaux que vous allez voir sont comme un rappel que notre existence est une invitation au voyage, que ces paysages de rêve sont des hymnes à la beauté, une beauté insondable du monde, que pour l'artiste qui sommeille en chacun, il n'est nulle terre étrangère. Et surtout, l'on comprend que le fait de rayonner sur la scène internationale comme l'un des plus grands artistes vivants est un tribut qui lui revient sans conteste. Il est réjouissant également de savoir que M. Doig a vécu et fait ses premières découvertes artistiques à Montréal. Il faut être chauvin. Et ce, dans les salles de ce musée. Musée qui fait la fierté de notre métropole et qui constitue un pilier de la démocratisation culturelle au Québec. J'ai été ravi, très ravi d'apprendre que ces années passées ici chez nous, encore très jeune,
ont sans aucun doute façonné une grande partie de son œuvre et même, au dire de M. Doeg, ont été déterminantes pour l'évolution de sa peinture. Nous sommes heureux que le Québec ait été une escale importante dans la vie de cet immense artiste. Je veux féliciter les partenaires qui ont uni leur expertise et leur effort à la direction du Musée des Beaux-Arts de Montréal pour présenter une exposition appelée à connaître un immense succès. Félicitations donc aux National Galleries of Scotland d'Édimbourg, à la National Gallery of Modern Art d'Édimbourg, ainsi qu'à la Scottish National Gallery of Modern Art. Merci également aux généreux partenaires du secteur privé qui permettent aux arts d'aller plus loin, notamment au chapitre de la diffusion de ces merveilleuses expositions. Merci, Peter Doeg, pour ces fabuleuses histoires tirées de la substance même de la Terre, tirées des vastes continents de la psyché humaine. Excellente soirée à tous. Merci. J'aimerais remercier le ministre, M. Makakoto, pour ses merveilleuses paroles. I think everybody was very moved by everything you said. It was beautiful. And also Nathalie, for her great words in the beginning. Alors, j'aimerais vous présenter un instant. J'aimerais inviter M. Peter Doeg au micro pour vous dire quelques mots. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all for coming, and it's a great honor for me to be showing here in Montreal, a city that I love and a city that I've lived in and around in my earlier years. Also exhibited in much more modest places than the Musée des Beaux-Arts, but as I say, it's a great honor for me now to be exhibiting here, and I hope you enjoy the paintings. The rooms upstairs are fantastic, and I hope I do them justice. So, thanks again. Thank you, Peter. Merci, Peter, énormément pour ces belles paroles. Alors, avant, justement, je sens la trépidation. Tout le monde a hâte de le voir, l'exposition. Juste avant, un moment toujours important de remercier, justement, les partenaires qui nous aident et nous permettent to have such wonderful exhibitions here in Montreal. So, first off, I would like to thank the Michael Weiner Gallery, donc spécialement Gordon Van Eklassen, Parina Modagassi, Kelly Robbins et Harry Scrimgeour. Merci so much for your help and your support. This is unbelievable because of you. Aussi, nous aimerions remercier le présentateur de la soirée, RBC Banque Royale. Donc, c'est toujours incroyable d'avoir des vrais partenaires, true partners with us in these endeavors. Et bien sûr, aussi nos autres partenaires, La Presse, Bell, Air Canada, Joe Fresh, Richard, et The Gazette, et surtout, jamais oublié, le support de nos bénévoles, vraiment l'association des bénévoles. They are always such a strong, strong feeling here for us in the museum. They are part of our wonderful family. Et maintenant, sans plus tarder, je vous invite tous à venir visiter l'exposition Peter Doeg, Nulle Terre étrangère. Passez une merveilleuse soirée.